Calmement, l'assaillant épaule son arme, vise et tire, et ce, à plusieurs reprises. Au moins deux personnes ont été tuées lors de cette fusillade en Allemagne. Les coups de feu ont été tirés devant une synagogue de la ville de Halle, dans le centre-est du pays. Et une grenade aurait aussi été lancée dans un cimetière juif, se trouvant à proximité. À l'intérieur de la synagogue se trouvaient des dizaines de personnes fêtant Yom Kippour, mais le tireur n'a pas pu entrer dans l'édifice. Sa cible, ensuite, a été un restaurant turc, à 600 mètres de là. Une vieille femme a dépassé le magasin et derrière elle, un homme avec un casque et portant des vêtements de l'armée est arrivé avec un fusil à la main et un masque anti-tempête. Et il avait ce qui ressemblait à une grenade à la main ou un pétard. Il a essayé de le jeter dans le magasin, mais il a rebondi sur le cadre de la porte et est tombé directement devant la vieille femme avec une détonation très forte. Alors l'homme a soulevé le fusil et a tiré. Après la prise en chasse de sa voiture par la police, l'auteur présumé des coups de feu a été arrêté. Le tireur s'est alors enfui dans une voiture, la police a pu retrouver le véhicule qui a été arrêté à l'extérieur de la ville et la police a arrêté un suspect. Les cibles du tueur ayant été une synagogue et un restaurant kebab, on pense tout de suite à l'extrême droite allemande dont plusieurs éléments violents se sont réveillés ces dernières années.